سفر ما تانيا من نجار نجار سمن بوفي ناكا ناكا نون ناكا سسين عمر بابا مرايو بابا مرا بابا ما يتمكن الأمة ما يسان الدين سين عمر ما يعلم إنسان الله ما يعلم زمان الله يتمتك النجار من زغنيا من زغنيا دا النور سافيا أم مسلمة أديني بيدا سيني عمر ويتيني نقودية نقودية غير النجار بيدا دم سمن قرن تلاقي رقبة ديا نينا زغنيا نينا زغنيا Nazo godiya sayini umaru ya ce muku godiya baba sayini yana yi muku godiya baba uban mara ayuna muku godiya sayini umaru uban mara baba mai san te mako ga amma rafa mai daukar kudin shirye tarbawa talaka wa maza da mata na Inni zar mun zo godiya da annurin safiya mun muku sallama ta addini bai daya sai ni ummaru ya ce ni muku godiya ni ku godiya ga inni zar bai daya dan samman garin tilabe da gaba daya sai ni ummaru mutum mai bin Allah mai san rayuwa ta duk da mai sallah mai kudi na taimako hanyar Allah ga ilimi na zamani ya san Allah Ya ce ni jar mutaren mu gaba daya kuma Allah mu tsarkake zuciya bin sai ni Umaru yana san mu da kuma ba shi bi dan talakkan ni jar ya shawuya jama'a ne kira maza mata bai daya sai ni Umaru yana san mu da kuma Inni jar mun zo godiya da annurin safiya kuma ku sallama ta addini bai daya sai ni Umaru ya ce ni سفر وطني أمي نجار نجار سمن بوفي ناكا ناكا نون ناكا سسين عمر بابا مرايو بابا مرا بابا ما يتمكن الأمة ما يسان الدين سين عمر ما يعلم إنسان الله ما يعلم زمان الله يتمتك النجار من زغنيا من زغنيا دا النور سافيا Ummu ku sallama ta addini bai daya sai ni Umaru ya ce ni muku godiya ni ku godiya ga inni zar bai daya dan samman garin اللهم إياك نعبد رباني وإياك نستعين والله المستعان ولا ما تسبون إكرام ودوام يا وهاب حولي إلما وحكمة يا رزاق ورزقني يا فتاح كل ما سهل آمين اللهم أنت أمرتنا بدعائك آمين وأتنا في إجابتك آمين وقد دعونا كما أمرتنا آمين فأجب لنا كما وعدتنا يا ذو الجلال والإكرام آمين إنك لا تخلف الميعاد آمين اللهم أنت لحاجتنا عليم آمين وعلى قضائها قدير وهو عليك يسير ومن عليه بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أجل اللجوجين يا سريع الصبر ختمنا لنا بالخير والسعادة بحرمة الدين والقرآن يا رب محمد يا رب كعبة يا رب كتاب العظيم وإذا سألك عبادي أني فإني قريب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم اصطفى على العرش وش الليل النهار عيد الظهر حيثما الشمس والقمر والنجوم مسكرات بأمر هذا هو الخلق والعمر
تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تذرهم ريح من المسلمين ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما صلى على محمد
Allah ya ba mu ita nasara. Muna kuma tare da ita. Allah ya tuwa muna asiri. Excellence, Monsieur le Président du MSC Nasara, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Directeur Administratif Permanent, Monsieur le Président de la Section Fédérale USA Canada, Messieurs les membres de l'ARDR, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Honorables invités, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont fait le déplacement dans cette belle ville de Greensboro, North Carolina, comme une autre ville du Niger. C'est ici le lieu de vous témoigner notre sincère gratitude à tous ceux qui n'ont ménagé aucun effort pour la tenue de cette grande rencontre de la famille Nasara. Nous avons l'honneur de recevoir parmi nous aujourd'hui une personnalité dont l'amour pour notre cher pays et son peuple est immesurable. Homme pieux, homme de parole, Son Excellence M. Seni Omar, nous vous souhaitons la bienvenue. Notre ultime désir est de nous investir dans la quête des voies et moyens pour parvenir à la libération de notre peuple. Nous ne saurions nous départir de cette décision qui est l'expression de la volonté commune. Il nous faut dès lors nous accorder sur la façon d'aller de l'avant pour l'intérêt du peuple, le peuple nigérien. C'est dans cette optique que s'inscrit la vision de l'ARDR et du MSD Nasara. Je réitère ici un vibrant appel à tous les Nigériens en général et aux militants de l'ARDR en particulier de ne pas rester indifférents à tout ce qui se passe dans notre pays, car le Niger est notre bien commun et précieux. Toute contribution morale, physique, humanitaire et financière peut faire une différence. Monsieur le Président, chers invités, nous formulons une fois de plus le vœu que cette rencontre se clôt sous de bons auspices. Vive le MSD Nasara, vive l'ARDR, que Dieu bénisse le Niger, je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la section, Monsieur Nasara de la... Président du MSD Nasara, Monsieur le Secrétaire Général du MSD Nasara, Monsieur le Directeur Administratif Permanent du MSD Nasara, Mesdames et Messieurs les membres du bureau de la section, Messieurs les présidents des sous-sections, camarades représentants des partis membres de l'ARDR, honorables invités, mesdames et messieurs, militantes et militants du MSD Nasara, en ce jour mémorable, l'honneur me choisit de prendre la parole au nom des militantes et militants de la section Amérique du Nord Canada pour souhaiter la très chaleureuse bienvenue à Son Excellence El Hadj Seni Omar, président du MSD Nasara, chef de file de l'opposition politique nigérienne, ainsi qu'à la délégation de haut niveau qui l'accompagne. Il s'agit d'abord de M. Abdoulkadir Tijani, secrétaire général du MSD Nasara, du président du groupe parlementaire de l'ARN, puis de M. Boubacar Mouazou, directeur administratif permanent du MSD Nasara. Monsieur le Président, c'est avec un réel plaisir et surtout une grande fierté que les militants de notre parti ont l'honneur de vous accueillir pour la toute première fois aux États-Unis d'Amérique. Veuillez accepter la reconnaissance sans bon des femmes et hommes fervents militants du parti qui n'ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour rendre possible cette tournée de prise de contact et de sensibilisation dans ce lointain pays. La distance qui sépare notre pays de l'Amérique est certes grande, mais sachez, Monsieur le Président, que la foi et le degré de militantisme des Nigériens de la diaspora vivant aux USA sont encore plus grands. Les militants de notre section
s'enorgueillissent d'être parmi les plus convaincus et les plus fidèles du MNSD Nassara. En dépit de toutes les vicissitudes, ils sont demeurés fidèles au parti. Mieux, ils ont agrandi les rangs des militants avec de nouvelles adhésions, toujours plus nombreuses, au point que le MNSD Nassara est le plus grand parti sur l'échiquier politique en Amérique. Monsieur le Président, Mesdames les membres de la délégation, la section MNSD Nassara des sous-sections du Canada, des États-Unis d'Amérique, la Pennsylvanie, l'État de New York, d'Indiana, de la Caroline du Nord, d'Arkansas, se targue une section dynamique, une section avec laquelle et sur laquelle vous pouvez compter dans le combat que vous pouvez mener au quotidien avec courage et détermination pour le rayonnement du parti, mais surtout pour l'avènement d'un Niger démocratique et résolument tourné vers le développement socio-économique. Les échos de notre lutte, bien que lointains, mais qui nous parvient rapidement grâce au dynamisme de monsieur le directeur administratif ici présent avec nous, ces échos, dis-je, sont pour nous de la diaspora des motifs de satisfaction et de fierté. Cette lutte nous conforte davantage dans notre conviction que c'est le parti MNSD Nassara qui est et demeure le plus grand parti du Niger et le parti qui se soucie le plus de l'avenir de notre pays. Continuez, monsieur le Président, vous avez notre soutien et nous vous demandons avec insistance de poursuivre car au bout des efforts se trouve la récompense. Poursuivez la lutte, monsieur le Président, parce que les causes que vous défendez sont justes. Poursuivez la lutte, monsieur le Président, parce que l'issue est bientôt proche avec toutes les prochaines élections qui consacreront inéluctablement la victoire éclatante et sans bavure du MNSD Nassara. Poursuivez la lutte, monsieur le Président, parce que derrière vous, vous avez des bataillons engagés et déterminés des militants de notre section qui sont des troupes prêtes au combat. Poursuivez la lutte, monsieur le Président, aussi parce que la situation de l'État de notre pays vous l'impose. Poursuivez la lutte, monsieur le futur président de la République du Niger, parce que l'histoire vous a donné rendez-vous en 2016, qui sera l'année de votre élection à la présidence du Niger. Militantes et militants, je sais qu'en disant ce que je viens d'annoncer, je ne trahis point vos convictions, parce que je connais votre degré d'engagement, militant de votre ardeur, au combat pour faire du MNSD Nassara le futur vainqueur des élections à venir, Inch'Allah. Plus que tout, je sais vos piétés d'impatience en attendant les échéances électorales à venir. Vous m'avez demandé votre porte-parole auprès du président du parti pour lui dire toute votre reconnaissance pour la marque de considération qu'il a témoigné à votre endroit en se déplaçant personnellement pour nous, que chacun puisse le voir en chair et en os et éventuellement échanger, partager. Le présent meeting que nous tenons ce soir fera certainement date et sera gravé à jamais dans la mémoire de tous. Il marquera le cheminement de la longue et difficile marche qui nous conduira vers le succès que nous attendons de tous nos voeux. Merci, merci, encore merci, monsieur le président. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Monsieur le secrétaire général du MNSD Nassara, Monsieur le président de la section MNSD Nassara de l'Amérique du Nord, Monsieur le président de la sous-section MNSD Nassara de la Caroline du Nord, Messieurs les présidents des sous-sections MNSD Nassara, Messieurs les représentants des partis membres de la RDR,
honorables invités, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Par la grâce d'Allah, le Tout-Puissant, le Clément et le Miséricordieux, nous voilà aux États-Unis d'Amérique, où nous avons parcouru depuis 6 jours de grandes distances pour des visites de proximité des militants et sympathisants du MNSD de Nasara. C'est ainsi que nous nous sommes rendus à Harrisburg, à Washington, à Philadelphie et à Indianapolis. Depuis hier, nous nous trouvons en Caroline du Nord et plus précisément à Greensboro pour le présent meeting qui constitue le terme de notre visite en profondeur au plus près des militantes et des militants de notre cher parti. Avant de poursuivre mes propos, je demande à l'assistance de bien vouloir observer une minute de silence et de dire une fatia pour le repos de l'âme de vaillants et illustres militants rappelés à Dieu. Il y a quelques mois, c'était le professeur Hamidou Sékou, président d'honneur du MNSD Nasara, et tout récemment, c'est le ministre Attaher Darkoï et bien d'autres que je ne pourrais tous citer ici. Qu'Allah le Tout-Puissant les accueille dans son paradis éternel. Amen. Chers frères et sœurs, cette tournée à travers le vaste territoire des USA, nous avons depuis longtemps souhaité l'entreprendre. Mais comme on dit, l'homme propose, Dieu dispose. C'est seulement maintenant que nous avons réussi à la faire. Elle a été possible aujourd'hui, grâce à la très forte motivation des militants de la diaspora et surtout grâce aux sacrifices énormes qu'ils ont consentis. C'est pourquoi, au nom du Bureau politique national du MNSD Nasara et à mon nom propre, je rends un hommage appuyé au bureau de la section des USA et à son président qui ont su mobiliser et manager les militants de la diaspora que je découvre très nombreux dans ce pays. Avant de poursuivre, je voudrais transmettre aux militants de la diaspora les salutations fraternelles et militantes du Bureau politique national, des membres et sympathisants de notre grand parti qui m'ont chargé par la même occasion de vous adresser à leur nom, à tous, leurs encouragements et leurs vifs remerciements, non seulement pour le combat que vous menez si loin du pays, pour le triomphe des idéaux de notre parti, le MNSD de Nasara, mais aussi pour la mobilisation de vos parents restés au pays, et surtout pour le soutien actif en matériel que vous faites assez régulièrement. Hier, c'était un ensemble d'ordinateurs, d'imprimantes, de photocopieurs, de fax et autres accessoires informatiques pour appuyer et moderniser la gestion de notre parti. Aujourd'hui, ces deux véhicules que de généreux militants ont gracieusement offerts au parti. Il s'agit de M. Abdelaziz Al-Kassoum Nahajo, président de la sous-section de Pennsylvanie, et de M. Soliman Alassane, trésorier général de la section MNSD de Nasara de l'Amérique du Nord. Profitant de l'opportunité de ma présence ici, je leur réitère de vive voix la reconnaissance du parti et son témoignage officiel de satisfaction. Puisse Allah le Tout-Puissant les assister davantage dans leurs activités professionnelles ici en terre d'exil. Chers frères et sœurs, je voudrais réitérer à tous les Nigériens de la diaspora vivant aux États-Unis les conseils que j'avais déjà donnés dans les autres États que j'ai visités, pour leur demander de garder toujours à l'esprit la situation de leurs parents restés au pays. Ils doivent penser à eux et les aider autant que faire se peut. C'est leur devoir filial et c'est ce comportement que l'on doit attendre de tout Nigérien en exode. Fraternité, travail, progrès. C'est là la devise même de notre pays et chacun doit l'avoir en mémoire. Travailler pour réussir et pour aider ses parents,
C'est là tout le bien que je souhaite à chacune et à chacun de vous. Cette tournée aux USA, nous avons tenu à la faire en ce moment précis, parce que les échéances électorales sont pour très bientôt. Comme vous le savez, ces élections générales vont se dérouler dans un contexte sécuritaire préoccupant, avec les événements qui se déroulent dans la partie est de notre pays, c'est-à-dire la région de Diffa. Cette situation montre à l'évidence qu'il y a des menaces graves sur la paix et la quiétude sociale. C'est pour cette raison que le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que les élections soient libres et transparentes et qu'elles soient organisées dans un climat apaisé afin d'éviter les crises des lendemains électoraux conflictuels dont notre pays n'a absolument pas besoin. Cette tournée vient donc à point nommé pour inciter les uns et les autres à se faire recenser afin que chaque Nigérien puisse exercer son droit de vote garanti par la constitution de notre pays. De même, les militants devront se tenir prêts pour effectivement voter le jour des élections, car c'est cette opération qui montre votre engagement pour votre parti. Mesdames et messieurs, la question de recensement me permet de m'adresser aux représentants des partis membres de la RDR qui ont eu l'amabilité d'être parmi nous ce jour. Je leur adresse mes sincères remerciements pour leur mobilisation qui est la manifestation de leur solidarité. Militantes et militants de l'ARDR en Amérique du Nord, messieurs les représentants de l'ARDR, vous avez la lourde responsabilité de travailler en synergie, tous ensemble, dans le cadre du combat que les structures nationales et régionales de l'ARDR se sont engagées à mener pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit au Niger. L'ARDR est une alliance de plusieurs partis politiques qui se sont engagés à unir leurs forces afin d'œuvrer à la réconciliation, la défense de la démocratie et de la République. Elle se veut un cadre pour lutter contre les dérives autoritaires du régime de Mahamadou Issoufou et contre les crimes économiques et financiers auxquels son régime se livre depuis son accession à la magistrature suprême. En effet, cela n'est un secret pour personne. Jamais dans notre pays, les textes de loi n'ont été aussi bafoués, au point que la violation de la Constitution, qui est notre loi fondamentale, est devenue le sport favori des autorités actuelles. Des doutes sérieux de manipulation pèsent sur les résultats du dernier recensement électoral. Les partis politiques regroupés au sein de l'ARDR ont souligné la gravité et la dangerosité de cette question du fichier électoral. C'est un truisme de le dire. Le fichier électoral est le baromètre par excellence d'élections équitables, transparentes et justes. La veille même de mon départ de Niamey et à travers un point de presse animé par d'éminents juristes, les partis politiques membres de l'ARDR ont annoncé de la manière la plus énergique qu'ils n'accepteront jamais un fichier non consensuel, en particulier un fichier falsifié, dans le dessein évident de se livrer à des fraudes électorales. De ce fait, le chef de file de l'opposition que je suis a exigé du Premier ministre la convocation urgente d'une session du CNDP au cours de laquelle sera débattu, outre le problème du fichier électoral, celui autrement plus crucial de la question du chronogramme des élections. Comme vous le savez, la question de l'ordre séquentiel des élections est un sujet essentiel qui ne doit souffrir d'aucune ambiguïté pour les partis politiques membres de l'ARDR, tout comme le caractère inclusif des élections, qui est et demeure une exigence impérative. L'ARDR a été clair dans ses positions. Les élections prochaines seront justes, équitables, transparentes et inclusives, ou ne se feront point. De même, l'ARDR n'acceptera jamais que les résultats des élections soient tripatouillés. Autrement dit, elle ne tolérera pas que la volonté souveraine du peuple nigérien
soit détournée et elle s'y opposera avec la dernière énergie. C'est pourquoi, tout en s'insurgeant contre les tentatives d'instrumentalisation des tribunaux chargés de la gestion des élections locales, l'ARDR a exigé pour sa participation aux élections la recomposition de la Cour constitutionnelle qui a en charge les élections législatives et présidentielles et qui a à maintes reprises manifesté sa partialité. Militantes, militants du MNC de Nassara, l'heure du combat a sonné. Et comme à son habitude, le MNC de Nassara sera à l'avant-garde de cette lutte en parfaite symbiose avec ses alliés de l'ARDR. En effet, comme à son habitude, chaque fois que les intérêts du Niger seront en jeu, le MNC de Nassara se bat à l'hémicycle par le biais de ses vaillants députés, auxquels je rends solennellement hommage, et dont le président du groupe, l'honorable député Tidiane Abdoul Kadri, est ici présent. Malgré leur nombre inférieur, les députés du MNSD en lien avec ceux de l'ARDR font un combat gigantesque. Ils ont dénoncé à la face du monde en général et de tous les Nigériens en particulier le manque de transparence dans les conventions minières et le bradage des ressources qui y sont issues. Le flou artistique qui avait entouré l'achat de l'avion présidentiel qui, bien que vieux, a coûté plus cher qu'un neuf. Le manque de dotation de notre vaillante armée nigérienne, alors que le président de la République s'enferme dans un véritable bunker avec un arsenal qui aurait été plus utile au front dans la guerre contre la secte de Boko Haram, aujourd'hui associée à l'État islamique. C'est ici le lieu de saluer la mémoire de tous les soldats nigériens tombés au champ d'honneur. L'enrichissement illicite, avec une rapidité sans précédent, de quelques barons du régime qui pillent les finances du pays. La corruption pratiquée au plus haut sommet de l'État, la concussion, l'affairisme, la prévarication des ressources du pays, l'acquaintance avec des personnes reconnues comme des trafiquants notoires et qui demeurent impunis parce que réfugiés dans les arcanes du pouvoir. Des investissements de prestige surfacturés, dont l'opportunité n'est pas toujours évidente, parce que loin des véritables préoccupations du peuple. L'exemple de l'illustre échangeur qui ralentit plutôt qu'il ne fluidifie la circulation. Un prétendu programme dit de 3N que les Nigériens raillent à longueur de journée parce qu'ils n'ont pas encore compris son contenu ni observé son démarrage. La dérive autoritaire du régime qui s'en prend aux citoyens, dont le seul tort est de dénoncer les errements du Gori système. Le concassage des partis politiques pour instaurer le règne de la pensée unique et dont le véritable commanditaire est Issoufou Mahamadou, qui a publiquement et officiellement déclaré en France qu'il est Charlie. Les voyages incessants du président, aussi coûteux qu'inutiles, car aucune retombée concrète pour le pays n'est palpable. Le harcèlement intempestif des militants de la société civile et le musellement de la presse privée après avoir confisqué la presse publique. Militantes, militants du MNC de Nassara. Il vous souviendra qu'en plus des nombreuses affaires financières scabreuses dont il est coutumier, le régime du président Issoufou a innové dans une pratique jamais connue dans notre pays, celui d'utiliser des mercenaires pour déstabiliser les partis politiques adverses. Les partis politiques membres de l'ARDR, comme des partis membres de la majorité, ont tous été victimes de cette pratique abjecte. Au MNSD de Nassara, les personnes qui ont été utilisées ont fort heureusement et très rapidement été débusquées et exclues définitivement de nos rangs. Plusieurs épisodes judiciaires, les uns plus burlesques que les autres, se sont déroulés. Et le dernier est la décision de la Cour d'appel de Niamey d'autoriser Albadé et consorts à parler au nom d'un parti duquel ils sont exclus. Exclusion qui a été constatée par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey.
contre cet arrêt rendu par cette cour. Les avocats du parti ont formé opposition et cette opposition renvoie au jugement numéro 269 du 15 avril 2015 rendu par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey, lequel stipule, entre autres, dans ces dispositifs, je cite, déclare nul et de nul effet les décisions issues du Conseil national extraordinaire et du congrès tenu au Palais des Sports, constate l'exclusion de Albadé Abouba, Amadou Salifou, Alma Oumarou, Wassalke Boukari, Ada Chefou, Mahamadou Zada, Hassan Nyelli, Issoufou Oumarou et Siraj Issaka par le Conseil national du ministère de Nassara, réuni en session ordinaire le 29-11-2014. Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. En s'attaquant à notre parti, le président Issoufou a commis une erreur impardonnable, car le MNSD de Nassara est un parti indestructible. Il est, comme se plaisent à le dire ses militants, un baobab gigantesque, dont les racines sont profondément enfouies dans les entrailles de la terre et ses branches s'élèvent au firmament du ciel nigérien. Le MNSC de Nassara est partout, dans les villes comme dans les campagnes, au Niger comme à l'extérieur. Et votre section est la démonstration éclatante de la vivacité du MNSC de Nassara et de sa force tranquille. Nous ne considérons pas les mercenaires recrutés à coup de nomination pour les uns et de billets de banque pour les autres comme nos adversaires. Ils ne peuvent pas l'être, car si seulement c'était eux, le problème aurait été réglé depuis fort longtemps, en moins d'une matinée. Le véritable adversaire du MNSD de Nassara est le président Issoufou Mahamadou, lui-même, car il est le commanditaire de ces tentatives de concassage des partis politiques. Dans tous les cas, quiconque s'attaque à notre parti l'apprendra à ses dépens. Et Issoufou Mahamadou l'apprendra aux prochaines élections, Inch'Allah. Il l'apprendra grâce à votre soutien, le soutien des militantes et militants qui sont déterminés à mener la lutte. Pour les militants des USA que vous êtes, je ne doute pas un seul instant que vous vous engagerez avec courage et détermination. C'est pourquoi, à votre demande insistante de persévérer dans cette lutte, je vous réponds que je vous ai compris. Vous êtes ici en Amérique, prêts et déterminés. Vos frères et sœurs restés au pays le sont également. Les responsables que nous sommes sont encore plus déterminés et l'ardeur que vous montrez est pour nous un motif supplémentaire d'intensifier la lutte et un gage certain que nous gagnerons, Inch'Allah. Nous gagnerons le combat contre la pensée unique. Nous gagnerons le combat contre la mauvaise gouvernance et les passe-droits. Nous gagnerons le combat contre la dilapidation des ressources nationales au seul bénéfice d'une bourgeoisie comprador qui suce le sang du peuple et se gausse de ses larmes de misère et de ses cris de détresse sur la faim qu'il subit, l'injustice qu'il endure et la paupérisation continue qu'il traîne, tel un boulet fatal. Nous gagnerons le combat, Inch'Allah, parce que le peuple, fatigué et meurtri par tant de misère, l'exige. Nous avons l'occasion inouïe de réussir et nous allons gagner, Inch'Allah, parce que vous vous êtes engagés. Il reste que vous devez vous souder les uns aux autres, car l'heure n'est pas à la division, aux querelles intestines, inutiles et nuisibles pour le parti. L'heure est à l'union, à la solidarité, à la cohésion et à la mobilisation pour remporter les futures élections, plaise à Dieu. C'est dans ce sens que je termine mes propos, en appelant encore une fois tous les démocrates sincères et épris de justice à se mettre ensemble pour arrêter toutes les dérives autoritaires et les velléités de fraude électorale, afin que le peuple nigérien ne soit pas spolié de son choix souverain. En réitérant mes voeux de succès dans vos entreprises, ici à l'étranger, je fonde l'espoir que vous garderez toujours à l'esprit
vos familles rester au pays et que Dieu vous inspirera pour investir au pays. Je ne terminerai pas mon allocution sans exprimer à toutes et à tous, au nom du Bureau politique national et à mon nom propre, mes sentiments de grande satisfaction pour votre mobilisation et tous les soins attentifs dont ma délégation et moi-même ont été l'objet tout au long de notre séjour parmi vous. Mes remerciements vont à la section et ministère de Nasara d'Amérique du Nord, aux sous-sections qui nous ont accueillis et en particulier à la sous-section de la Caroline du Nord. Qui a accepté d'organiser le présent meeting, aux militantes et militants qui ont contribué à la parfaite organisation de notre séjour et des activités que nous avons menées. À chacun et à tous, je leur demande de trouver ici l'expression de ma profonde gratitude, ainsi que celle de la délégation qui m'accompagne. Vive le MNSC de Nasara! Que Dieu bénisse le Niger et son peuple et qu'il nous gratifie d'un hivernage fécond. Je vous remercie de votre aimable attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.